Bonsoir à tous. Ce conseil municipal, ben déjà, on va faire appel. Donc, José, Serge, Emmanuel, oui. Nathalie de Beaune, pour donner une coopération à Serge Cattier, Serge de Mulard, Serge de Gilles, Michel Pépinard, qui est présent, qui est arrivé à temps, la Croix, c'est venu, Auré Jean-Paul, Ludovic qui a donné procuration à Lyon et Madame la voilà, je vais passer la fiche des signatures. Et ce soir, l'heureux secrétaire sera M. Pinet. Régis. Les subventions, donc
Il a été décidé en commission, le SDM de foot, d'attribuer 1 500 €. Moi je dis la CCA, mais c'est l'ACA, l'ACA de Mouxy, c'est l'association de chasse, donc 300. Le partage du temps libre, 600. Mouxy Mélodie, 500. Le TCAC, 1 500. Tourisme, culture, pour la crémaillère. Le rugby loisir Mouxy, avec une. Alors on a fait une. On avait prévu moins en commission. Et on a tenu en compte, parce que nous avons une certaine entre temps, avec un projet qui fait 15 ans. Donc on a monté une subvention exceptionnelle à 1 200 €. Alors le tennis, c'est un cas particulier, parce que le tennis ne figure pas. Ils avaient demandé une subvention de 10 000 pour changer leur grillage, qui en fait partie de leur grillage qui est endommagé, mais avec Serge surtout à argumenter que c'était du matériel qui nous appartenait, c'était sur la commune. Donc on a reçu M. Breton, le président du tennis, et on lui a fait part qu'on prenait à notre charge le coût du remplacement du grillage, plus de 7 000 €. Donc il nous a dit, avec la thérapie, et il nous a dit, bah, si c'est comme ça, je demande plus de subvention. Voilà. Il a une ligne. Hein ? Oui, mais voilà. Donc le tennis ne figure pas, parce qu'en accord avec M. Breton, il n'a plus de subvention, donc on a. Voilà, donc est-ce qu'il y a des. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, ma fameuse CERFA. Alors c'est vrai que certaines associations m'ont téléphoné en disant que c'est plus ça depuis des années. Ben bon, c'est comme ça. Alors des années, je ne sais pas, mais bon, on a voulu se remettre d'aplomb tout de suite, quoi. Ça a traîné un petit peu, c'était un petit peu long. On a reçu des CERFA en retard, mais bon, voilà les décisions qu'on a prises. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, pardon. Donc, on met au vote. Donc, il appartient au conseil municipal d'approuver le montant des subventions versées en 2024 aux associations communales, suivant le tableau qui vous a été annoncé. Je précise que les crédits correspondants sont ouverts au BP 2024 de la commune sur le compte 65-748. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Le point numéro 3, c'est la commande publique marché des travaux par le premier ministre du SARCO, le tout correspondant au maire, du signe du marché et l'entreprise obtenue à l'issue de la procédure de consultation. Je laisse la parole à M. l'agent de travaux, M. Petit. Donc, on avait approuvé le programme de travaux portant sur les aménagements de rue du SARCO. Cette opération qui avait été lancée sous la mandature précédente a donné lieu à une consultation au courant du mois de février de cette année. Cependant, il nous est apparu nécessaire pour l'équipe issue des élections municipales de mars 24 de reconsidérer certains éléments de ce projet et de conforter l'assiette foncière de cette opération avant de lancer le marché des travaux. Effectivement, nous n'avons pas trouvé de document qui nous disait si jamais avec approché, si jamais il y avait des conventions signées, si jamais il y avait quoi que ce soit qui avait été passé avec les riverains de ce trou du centre. Il a été ainsi décidé de désigner, donc d'abandonner le marché et de désigner un maître d'œuvre, le cabinet Baron, ingénierie chargé de reprendre des études de conception, de relancer une consultation et de suivre le chantier dans sa phase d'exécution. Pour rappel, le programme est le suivant, réfection de la voirie sur environ 450 mètres linéaires. La réalisation d'aménagements de sécurité pour piétons, parce qu'on a créé un trottoir qui va circuler de la route du Violet jusqu'à la route du Bouguenard. Il n'y aura plus de traversée de route du Sarteau. Le trottoir sera en continu tout le long de la route. La création, bien sûr on fera des passages piétons, la création d'une partie haute du réseau d'eau pluviale avec mise en œuvre d'un puits perdu, parce que nous avons cherché dans tous les documents de Grand Lac et dans nos documents, on n'a pas trouvé de réseau d'eau pluviale sous la route du Violet. Donc comme il y a une partie descendante de la route du Sarteau qui devait évacuer ses eaux sur la route du Violet, on va être obligé de créer un puits perdu à cet endroit-là, pour évacuer les eaux de ruissellement.
Le coût estimatif de ces travaux est de ce stade de 247 000 euros. La consultation des entreprises sera lancée la dernière semaine de juin, avec une date limite de retour des offres fixée à la mi-juillet, pour une notification du marché à l'entreprise adjudiciaire fin juillet et d'un démarrage de chantier début septembre. Phase de préparation de chantier durant le mois d'août. Donc, nous avons rencontré aussi, alors il y a, bon, on en parlera un peu plus tard, mais on a rencontré effectivement Mme Exertier, on a tout un accord avec elle. On a trouvé rencontré Mme Roche, on a trouvé d'accord avec elle sur le terrain. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on se conforme aussi parce que quand. Enfin, je sais bien que je ne vais peut-être pas en parler, mais quand on était dans l'opposition, quand on s'est opposé, quand on a dit que ça nous dérangeait qu'il soit lancé pendant la période où le maire avait démissionné, cet appel d'offres, vous avez répondu qu'on avait 180 jours pour annuler le marché. Donc il est conforme. Par contre, je suis étonnée que quand vous dites qu'il n'y a pas eu de compte-rendu, parce qu'il y a eu une réunion en bas, dans la salle des fêtes en bas avec les riverains, sur notre projet à nous, donc je suis très étonnée quand vous dites qu'il n'y a pas eu de compte-rendu, vous avez été en train d'envoyer, alors ça va envoyer à tous les conseillers de ce que vous avez. Je sais. Je sais d'autant plus que le 6 novembre, où a eu lieu cette réunion, j'étais sur la table d'opération, voilà. Je me suis fier, on m'a reproché après de ne pas avoir été là. Moi, j'étais en train de me faire opérer. Donc, Jean-Paul était là, et effectivement, après, on n'a plus jamais entendu parler du projet. Dans la commission de travaux, la commission urbanisme, on n'a jamais reparlé du projet. Après, c'est fait. Oui, non, bien sûr, mais avant de lancer le marché public, on n'en a pas rediscuté en commission. Bon, vous, tu sais bien, ça a toujours été mon opposition. Ce projet qui a été présenté pour nous, ça, c'est le projet qui a été discuté en commission. C'est-à-dire qu'on a d'abord discuté et après on a présenté, c'est un peu logique. Tu ne discutes pas d'abord quelque chose en travaux, tu dis bah, ok, puis après tu présentes nous ça. Sachant qu'on n'a aucun document après pour travailler. Il y a quelque chose qui me dérange quand même, parce que M. Pérez vous parle toujours de qu'il a fait gratuitement du travail. Très bien, hein. Il a des compétences, etc. Le seul problème, c'est qu'il avait inclus quand on est arrivé. S'il l'a fait gratuitement, il devrait s'y inclure. Et juridiquement, ça lui appartient, on le sait. Donc, mais il est parti avec. Donc il n'a pas travaillé pour la commune, en fait. Il faut tout faire. Mais c'est pour ça qu'on s'était opposé à ce passage de marché juste avant l'élection. C'était pas. Qui t'aurais été réélu, t'aurais été. Ludovic aurait été réélu, il y avait ce problème. Ouais, c'était pareil. Mais vous avez eu connaissance en tant qu'ancien conseiller du projet. On est connaissance. Il n'y a pas le contraire. Tu peux reprendre tous les cas. À chaque fois, on s'est toujours opposé. On ne conteste pas ça. Moi, j'assiste à la réunion en bas, je sais ce qui s'est dit. Mais. L'appel d'offres, tout ça, il n'y avait plus rien. Quoi. Sous prétexte qu'il a travaillé gratuitement, juridiquement, c'est renseigné, ça lui appartient. Voilà, donc il aurait pu le laisser, mais il l'a pas fait. Voilà. On n'a pas non plus retrouvé. Enfin, moi, il m'a dit qu'il avait laissé les documents, je n'ai pas retrouvé non plus les documents sur les lumières. Sur les lumières. Donc, est-ce qu'il y a un gros dossier. C'est ce que tu m'as dit. Il y avait, oui. Il y a un gros dossier comme ça. Je vérifierai parce qu'on a un problème, on a un gros problème sur le Bugnard, il faut effectivement, parce que là, ça va nous coûter de l'argent à la commune. Si on ne peut pas se retourner contre l'entreprise, ça va nous coûter de l'argent. Hein, mais moi je comprends. Ah oui. C'est pas déjà acheté, ça se trouve. Alors. On peut passer au vote ? Donc il appartient au conseil municipal d'approuver le programme de travaux portant sur la route du Sarteau, d'autoriser le maire à engager la procédure de passation de marché public, procédure adaptée et d'autoriser sur la base de l'article 21-22-21-1 du CGCP, le maire à passer et à signer le marché de travaux et à intervenir sur tous les actes s'y afférents. Voilà. Qui est contre ? Donc moi, je tiens à dire pourquoi je suis contre, parce que comme tu l'as dit, bon, c'est un programme de l'ancienne équipe,
Je suis contre en fait le programme, pas la réflexion bien sûr, oui. Contre le programme, parce que je trouve qu'au niveau sécurité, comparativement à notre projet, où nous, on avait mis le sens unique, on avait fait le piste cyclable, on avait tout ça, là, si tu veux, bon, maintenant, il y a double sens, donc au niveau des trottoirs, c'est pareil, le trottoir, c'est un trottoir de 2 cm à partir de la rue de Sarthou, ça veut dire que les voitures peuvent rouler dessus, quand on voit les incivilités qu'il y a, des vitesses et tout ça sur notre site, ben, je veux dire, on ne refait pas une route tous les 10 ans, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Après, vous pouvez revenir sur votre... je pense que les habitants de la rue de Sarthou n'ont pas encore entendu le projet, mais je pense que vous aurez des retours là-dessus. Non, pas, je pense pas. Il y a eu une réunion publique déjà pour leur annoncer, et c'est vrai que là, il y a eu des avis qui ont différé sur le sens interdit. Voilà, il y a eu des retours en arrière en disant bah, non, le sens interdit. Voilà. Mais si tu veux, on s'en met pas. Voilà, si tu veux, mais. C'est pour ça aussi, qu'on met je te dis, une bordure, effectivement 2 cm, pour bien matérialiser. L'idée, au départ, c'était peut-être de mettre une bande avec de la résine, tu vois. Non, l'idée, c'est quand même de dire, attention, là, vous franchissez, vous êtes sur le trottoir. Ça va pas empêcher des voitures de monter dessus. Mais aussi, quelle est la fréquentation, tu vois, il y a aussi tout ça. Par contre, moi, je voulais intervenir pour l'histoire du sens interdit à la Réunion. Tu dis, vous aviez décidé le sens interdit. Moi, la Réunion, je me rappelle bien Pérez qui disait, de toute façon, on fera comme vous voulez. Mais ce n'était pas du tout décidé. Surtout que moi, j'ai appris une chose, que le sens interdit, la voie unique, accélérait la vitesse. Parce que le fait d'avoir personne en face, on savait qu'il n'y avait personne. Donc, ce n'était pas du tout arrêté. À moins que vous l'ayez arrêté contre l'avis des habitants. Mais à la Réunion, c'était... Il y avait la piste cyclable qui avait été évoquée, ils n'en veulent pas. Et le sens interdit, c'était pas arrêté parce que encore une fois, c'était plus accidentogène qu'autre chose. Non, c'est vrai que je ne sais pas combien il y a eu de personnes à la réunion, parce que quand on regarde la route de Sarthou et puis tout le domaine du soleil, quand on a fait notre réunion, on n'avait pas tout le monde, peut-être la moitié comme d'habitude. Moi, j'ai aussi des critiques des gens qui m'ont dit que c'était bien gentil, mais les riverains de la route du Sarthou, il y a celui qui a dit l'étissement du soleil. Donc, majoritairement, ils sont très bas sur l'étissement, si on fait une réunion. Ils sont plus nombreux que partout. Par rapport à ceux qui ont dit que bien. Donc, il y a quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose qu'on va faire remarquer. Et là, tu dis, bon, on est en démocratie, on est des trucs, on va essayer de faire pour le mieux, mais on se rend compte qu'il y a des critiques des deux côtés. On a fait une réunion contre les moustiques tigres, qui intéresse tout le monde, il y avait 8 moustiques. Ah, il faudra prendre le slack, voilà, je veux dire, on fait ce qu'il faut, après si les gens se déplacent pas, c'est pas ça. Non, mais bon, du Sarthou, il y a du monde. Ah bah oui, non, mais il y a des gens, bien sûr. Non, mais je veux dire, on parle de la mobilisation des gens, on revient. Monsieur Devin, qui est là, est resté jusqu'à la fin, puis il devait partir. Je pense que la réunion l'a intéressé de voir les gens, comment ils agissent. C'est vrai que ça a été... vraiment, enfin pour moi, une très belle réunion. Ouais, c'est vrai. Très belle réunion. Parce que ça a été toute la matière. Il y en a une autre, après le contrat de conseil, on va refaire une réunion avec. Et là, on ciblera bien les riverains aussi, la route du centre. Mais ils étaient convoqués. Ils étaient convoqués, mais on va les convoquer une autre. Pour être sûr, oui, donc ça va être Donc Catherine, à Londres, pour les motifs prononcés, et puis qui s'abstient. Régis, il n'a pas vu. Il y a des abstentions, Régis. C'est aligné, c'est son nom. Le pouvoir de M. Virgil également. Oui. Vous n'avez pas vraiment particulière à faire pour vous absolument. Commentaire. Non, c'est pour savoir, hein, parce que c'est. On peut continuer. Oui, ça c'est le... C'est ce qui va être...
Ben non, parce qu'effectivement, ça peut avoir une influence sur le développement qui est avoir accès à ça. Et on peut ouais, une bonne réflexion d'avis. Si on peut ne pas le mettre. Ouais. C'est qu'on l'a mis dans le sens de l'information du conseil. Oui, bien sûr, oui. C'est par rapport aux procédures et tout ça. Oui, c'est vrai qu'on en est. Vous êtes pas contre, on enlève le compte rendu. Non, il faut le rendre. Non. Le quatrième point, ressources humaines, modifications apportées au tableau des emplois permanents, ajustement portant sur quatre postes relevant du service enfance éducation. Et je laisse la parole à Nathalie, à toi, en charge des ressources humaines. Il convient d'apporter des modifications au tableau des emplois permanents de la commune afin de prendre en compte des ajustements mineurs opérés au niveau du service enfance éducation, et ceci dans la perspective de l'organisation de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour rappel, les agents relevant du service enfance éducation représentent plus de la moitié des effectifs communaux, 11 postes sur un total de 20 postes. Tous ces agents sont des agents à temps non complet, les 11 postes représentant 6,46 équivalents temps plein, sur un total de 15,11. Les ajustements à opérer concernant le temps de travail de 4 postes et peuvent se résumer comme suit. Donc vous avez un tableau aussi qui vous a été joint avec tous les détails. Donc là, on va retrouver les 4 postes concernés. Il y a le poste 04, qui initialement était à 16,5 trentièmes et qui passerait à 18,25. Le poste 09, qui est actuellement à 16,25 trente-cinquièmes et qui passerait à 18,75. Le poste numéro 10, à 19,5 35e et qui passerait à 19,25, et le poste 11 qui est actuellement de 20,75 35e et qui passerait à 17. Le temps de travail des postes est susceptible d'être ajusté pour tenir compte de la date de prise effective des fonctions dans la mesure où le temps après dans les mains un peu diverses, nous allons être à nouveau sur le pied de guerre pour deux dimanches de suite pour les élections législatives. Donc vous avez tous reçu vos tableaux de présence. Voilà, donc ça a été envoyé par... Catherine a dû le faire aujourd'hui. Ça a envoyé par mail. Aujourd'hui. Si, si. Oui, on a reçu. Enfin, surtout si vous ne les avez pas ou... Qui c'est qui va le prendre? Toi, Catherine? Ah non, je sais pas. Elle va le prendre. Dans la liste de diffusion, on est encore avec Mouxi.fr, je pense, c'est pour ça. Tu vas la voir. Si tu veux, je peux. Moi, j'ai reçu toute chose, mais apparemment, il y a un problème dans la diffusion. C'est encore à Mouxi.fr, et pas à gmail.fr. Elle ne reçoit plus son ancienne adresse mail. Il a gardé son ancienne adresse. Si on lui envoie l'ancienne adresse, elle l'a. Moi, je t'avais envoyé un mail aussi sous Mouxi.fr aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai réfléchi. L'erreur vient de là. Non, parce que Gmail, le groupe de diffusion, j'ai vu. Non, je le renvoie. Pour l'agenda, donc la fête de la musique du 22 a été annulée en raison de la météo peu clémente ce samedi annoncée. Je vous rappelle que le 24 juin, 19h30, à la commission finances, en vue du prochain conseil municipal du 4 juillet avec la décision modificative au budget d'investissement. Le 27 juin, 19h30, on a la commission des affaires scolaires, hein, pour les membres
Et le 28 juin, donc à 18h, la kermesse de l'école. Et le 4 juillet, donc à 20h, conseil municipal. Moi, je vous rajoute une petite date. Vous avez peut-être déjà commencé à recevoir, parce que c'est parti cet après-midi. Pour le mardi 2 juillet à 18h, à partir de 18h30, la municipalité organise ce que j'ai appelé le pot de l'amitié, mais pour célébrer les fêtes des mères et les fêtes des pères, parce que cette année, on n'a pas eu le temps, puis on n'a pas décidé comme ça, d'offrir une rose ou un cadeau pour les papas. On a plutôt voulu mettre ça sous une forme d'un moment convivial. Donc on fait ça donc dans la cour de l'école s'il fait beau, dans la salle des fêtes s'il fait pas beau. Mais là, on invite les parents, les agents, les enseignants, les élus qui sont pour finir l'année avant les vacances, et pour fêter les papas et les mamans, où il y en a beaucoup dans l'équipe, dans tous ces gens. Donc voilà, le 2 juillet. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du public? On peut clôturer. Oui, je veux savoir, est-ce que ça avait donné, les chicanes ont été enlevées, ça fait 2 mois, je veux savoir ce que le retour qu'il en était. Alors, on a eu quelques retours négatifs, mais globalement, c'est plutôt des retours positifs. Donc, on a eu certainement des gens qui trouvaient qu'on les avait mal posés, qu'on aurait dû avoir la priorité à la montée plutôt qu'à la descente. Au départ, on n'avait pas prévu le passage des vélos, donc on a modifié pour le passage des vélos. Mais globalement, ça s'est quand même pas mal passé. Effectivement, ça ralentit les véhicules. Et si jamais on ne trouve pas notre système, donc on est parti peut-être pour essayer un autre système, si on arrive à avoir un trait de feu, le feu récompense, qu'on appelle feu récompense, c'est le feu qui s'allume quand on arrive trop vite, etc. Donc on va voir si on arrive à se prêter ce matériel, on fera ça, sinon on aura certainement une écluse comme on avait fait, donc on modifiera certainement le sens. Parce que ça semble quand même donner satisfaction aux gens qui habitent le centre du village. Ça représente à peu près combien de personnes tout ça? Comment les gens, ça représente à peu près combien de personnes? Les gens qui sont plutôt pour, les gens qui sont plutôt contre. C'est des fontaines et puis c'est. Il y a Henri Brec là qui peut en parler. Ils ont monté un groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment vu la différence. Bon, c'est clair que c'est pas du 100%. Ce que j'avais envoyé par mail, c'est qu'effectivement, quand il y a un véhicule qui monte et un qui descend, forcément, à qui chicane, ça oblige à ralentir. Quand il n'y a personne en face, soit dans le sens montant, dans le sens descendant, ceux qui veulent aller à fond, ils y vont, ça ne les empêche pas. C'est pour ça que j'avais évoqué, savoir si c'était possible d'avoir des chicanes un peu plus prononcées. On va dire. Après, il y a des réglementations. Mais, ouais, je sais qu'il y a des impératifs, c'est-à-dire quand on regarde ce qui se fait un petit peu dans d'autres communes, pas bien loin, on voit que les chicanes, elles avaient un profil nettement plus accentué que ce qui avait été fait sur la route de Rouen. Maintenant, c'est sûr, c'est efficace. Et pour en avoir discuté avec d'autres riverains, c'est vrai qu'on avait évoqué aussi les feux. C'est vrai que c'est pas évident que les feux soient plus efficaces que les chicanes. On sait qu'il y a un coût qui serait supérieur, parce que les chicanes, ça ne doit pas coûter grand-chose. Après, ça ne coûte pas cher, ça coûte moins cher. Ce qu'on recherche, nous, riverains, c'est de l'efficacité, tant qu'à faire au moindre coût, et puis de la rapidité d'exécution. Parce que là, ça repartit de l'impôt. On peut n'appeler ça non plus. Donc, je ne sais pas quel est votre horizon de réalisation. Ça, on n'en a pas discuté, on va s'y arrêter. C'est-à-dire qu'on attend la réponse de voir si on arrive à avoir des feux en vrai. Parce qu'on ne voulait pas les acheter, on voulait les faire prêter pour essayer de voir ce que ça faisait. Si on n'y arrive pas. Même des feux de chantier, des trucs pour couillons, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais. Pareil. Ouais, mais au moins, tu verrais, ça perd ça. C'est une détection. Et puis, les réglementations, par exemple, c'est des feux de chantier.
Il n'y a pas de chantier, donc il n'y a pas de feu de chantier. Que cela le tienne. J'en ferai un. On peut faire une tranchée. Voilà, pour la pioche, je pense. Non, mais c'est sûr qu'on a vu aussi qu'il y a une bande, il y a un, je crois qu'un message en train de coucher, il y a quelque chose d'autre. Comment? Donc au milieu, et c'est sûr que si jamais on remet ces chicanes, il va falloir pas voter parce que. Si on veut passer d'un peu plus loin, je pense au camion et au car, etc., ils montent dessus. Donc ça, il faut pas avoir d'autres cas. Après, c'est les empoigés, hein, les camions et les car, ils ont envoyé bouler les chicanes. Ouais, ah oui, c'est pas ça. Pas ça. Bon, il n'est pas sûr qu'on le fasse en mieux, il est possible qu'on le fasse avec des poteaux plastiques. Hein. Il est possible qu'on fasse comme ça, justement pour ne pas provoquer de risques. Bien sûr. Surtout le passage pour les cyclistes, qui est important, parce que c'était chaud. Hein. Vous n'avez pas pensé au début, c'est vrai. Ouais. Même après, c'était un peu limite. Hein. Il y en a fort beaucoup qui passaient entre le bas-côté et le... Il faut dire qu'elles ont été brassées, les valises. Il faut aussi. Ouais. J'ai déjà remis un paquet de fois. Hein. Ouais, je sais, merci. Il faut dire qu'on a un bas conseil. Et nous aussi, on n'est pas longtemps. On n'est pas long du tout, le bas-côté. Il y a un truc de téléphone, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très beau du tout. Merci. Donc, Je vais passer à la participation. Merci de pas les procurer et puis le 15 juillet. Voilà, je termine avant l'UD. Oui, commission finance 24. Mesdames et messieurs du public, après le conseil, on se voit entre nous pour un sujet bien précis. Merci.